Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Fréquence Médiévale. Cette fois, nous vous emmenons à Troyes. Nous sommes aux archives départementales de Troyes pour une présentation en fait de l'exposition autour de l'abbaye de Clairvaux. Et nous sommes avec Arnaud Baudin, qui est le commissaire, l'un des commissaires de l'expo de cette exposition consacrée aux 900 ans donc de la fondation de l'abbaye de Clairvaux. Alors Arnaud Baudin, merci de nous recevoir ici. Bonjour. Bonjour. Alors, bon, on va avancer un peu dans cette expo qui est vraiment magnifique, qui est très grande, avec énormément de présentations. Là, on passe par une espèce de grande fresque chronologique qui nous montre un peu les différents âges de l'abbaye. Mais on va commencer un petit peu avec la fondation de cette abbaye et qui est liée évidemment à l'anticistercien. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu, très rapidement, de la spécificité de cet ordre? Eh bien, l'ordre de Cîteaux a été fondé véritablement au début du XIIe siècle, mais ses origines remontent à la fin du siècle précédent, en 1098, lorsque Robert de Molèm quitte son abbaye de Molèm pour fonder une nouvelle abbaye à 20 km au sud de Dijon. En fait, Robert de Molèm souhaite réformer l'ordre bénédictin qui suit naturellement la règle de Saint-Benoît, mais qui la suit plus tout à fait dans la rigueur souhaitée. Robert a fondé une première abbaye à Molèm. Ça ne s'est pas très bien passé avec les moines de Molèm. Il a donc décidé de partir en 1098 avec quelques compagnons qui souhaitaient bien poursuivre dans cette réforme assez rigoureuse de la règle de Saint-Benoît. Et donc il s'installe en 1098, donc dans ce qui va devenir le monastère de Cîteaux, mais qui à l'époque ne s'appelle que encore le nouveau monastère, parce qu'on n'a pas forcément derrière la tête l'idée de fonder un nouvel ordre. Ça sera valable véritablement qu'à partir de 1119, lorsque l'un des successeurs de Robert de Molèm, Étienne Harding, un Anglais, aura rédigé la charte de charité et définira grosso modo les usages de vie entre les abbayes. C'est-à-dire que l'ordre de Cîteaux sera une fédération d'abbayes avec des abbayes mères, des abbayes filles, et les unes étant très très pratiquement rattachées les unes aux autres, hein, de manière soudée, très soudée, avec obligation par exemple pour les abbés de l'abbaye mère de visiter leurs abbayes filles une fois par an, avec aussi l'obligation pour l'ensemble des abbés de l'ordre de se rendre une fois par an à Cîteaux au mois de septembre pour un chapitre général. De là aussi, eh bien, tous les ans, des statuts qui sont rédigés à l'issue de ce chapitre général qui viennent compléter l'administration, les règlements statutaires de l'ordre. Alors, tout ça, c'est un peu pour maintenir la discipline quelque part dans l'ordre, c'est un peu ça. C'est pour maintenir la discipline et empêcher les excès, les abus, les déviances qu'avaient connus les Clunisiens. Alors là, par contre, on ne fête pas le 900e anniversaire de la fondation de Cîteaux, mais de Clairvaux. Alors, quelle est la spécificité de cette abbaye, qui est une abbaye fille quelque part de Cîteaux? Alors, Clairvaux est la troisième abbaye fille de Cîteaux. Elle est fondée en 1115, sans doute au début du mois d'août de l'année 1115. En fait, Clairvaux aurait pu stagner, aurait pu ne pas connaître le succès, l'immense succès qu'elle a connu. Après tout, la Ferté, qui est la première fille de Cîteaux, a essaimé peut-être une dizaine d'abbayes seulement. Clairvaux, elle, aura 339 abbayes dans sa filiation au milieu du XIIIe siècle. En fait, le succès de Clairvaux, elle le doit à son abbé fondateur, Bernard de Fontaine, plus connu à partir de 1174 sous le nom de Saint Bernard, une fois que l'Église l'aura canonisé. Un personnage haut en couleur, un personnage extrêmement important, la grande figure du XIIe siècle, mais qui va aussi rester pendant très longtemps une figure tutélaire de l'ordre jusqu'au XVIIIe siècle. Et encore aujourd'hui, naturellement, les moines cisterciens qui vivent encore aujourd'hui se rattachent très fortement à la figure de cet abbé qui finalement a dépassé Robert de Molèm et Étienne Harding, qui sont les fondateurs de l'ordre de Cîteaux. Alors, d'ailleurs, vous consacrez une salle entière au personnage de Saint Bernard, avec des
des pièces qui sont absolument phénoménales. Vous avez rassemblé des pièces qui viennent d'un peu partout et qui ont été dispersées, notamment après la Révolution française. Est-ce que vous pouvez nous décrire deux, trois pièces qui vous tiennent un peu à cœur, que vous êtes très content d'avoir ? Eh bien, la première de ces pièces, naturellement, elle est très, très emblématique de l'abbatiat de Bernard à Clairvaux, c'est sa crosse. Cette crosse en ivoire, elle provient du trésor de l'abbaye de Clairvaux. On la connaît très bien puisqu'elle est inscrite dans les inventaires du trésor que nous conservons aux archives départementales. À la Révolution, le dernier abbé Don Raucourt l'a préservée et l'a confiée à une communauté monastique cistercienne. Aujourd'hui, elle est conservée à l'abbaye de Bellefontaine, au sud de Cholet. Donc c'est une très très belle production du sud de l'Italie, du début du XIIe siècle, une crosse romane classique avec une volute se terminant par un dragon ou un serpent. C'est la représentation classique de la crosse qui fait allusion à un passage de l'évangile de Marc qui prête dans la voix de Jean-Baptiste la parole « Redressez les chemins du Seigneur, rendez droit ce qui est courbe ». Eh bien, c'est le péché en fait qui est symbolisé par cette volute et que l'abbé doit combattre en permanence avec sa communauté pour parvenir au salut. Et par contre, c'est une crosse où il n'y a pas d'or. Quand on connaît des crosses, d'évêques et tout, là, il y a presque dans cette crosse tout le programme de Saint Bernard par rapport à l'ordre de Cîteaux. Oui, effectivement, il y a quelques réaux de cuivre doré donc, qui sont aussi pour certaines parties des rajouts, des restaurations du XIXe siècle. Mais effectivement, il n'y a pas d'or, naturellement. Michel Pastoureau en parlerait bien mieux que moi. Saint Bernard a horreur de l'or, a horreur de tout ce qui brille. Et pour lui, c'est diabolique. Alors, il faut remettre ça dans le contexte du siècle. Hein. On est au siècle du gothique. Hein. On est du début du gothique, avec notamment à Saint-Denis, où vous allez avoir des gens qui vont théoriser par rapport à l'or, à la présence de l'or, qui doit être très présente dans les églises, avec les pierres précieuses. Saint Bernard, lui, c'est exactement l'inverse. Voilà, Saint Bernard, il a une conception totalement divergente sur le sujet. D'ailleurs, on pense même qu'il était en désaccord avec Étienne Harding, l'abbé de Cîteaux, hein, que les deux hommes ne devaient sans doute pas s'entendre sur plein de sujets, et en particulier sur celui-là, puisqu'on s'en rend compte par rapport aux premiers manuscrits de Cîteaux du temps de l'abbatiat d'Étienne Harding, qui sont extrêmement décorés, extrêmement illuminés. Pour Saint Bernard, lui, alors il va développer sa conception à partir des années 1123-1125, dans un traité qui est connu, assez célèbre, qui s'appelle l'Apologie à Guillaume de Saint-Thierry. C'est le fameux traité dans lequel il dit que font là dans vos sculptures ces singes obscènes, ces lions féroces, ces monstrueux centaures, ces créatures à moitié humaines. Voilà, c'est un plaidoyer, une charge contre les Clunisiens, contre les abbayes de Cluny, de Saint-Denis, qui sont en train de se construire ou de se terminer à la même époque. Pour Saint Bernard, dans cette apologie à Guillaume de Saint-Thierry, eh bien, à aucun moment l'art ou l'œil du moine ne doit être détourné de la prière et il ne doit pas errer vers des vitraux qui seraient trop décorés, trop réalistes, trop figuratifs. Également, aucune sculpture n'est tolérée. Et ces théories artistiques de Saint Bernard, finalement, il va les développer dans l'ensemble des domaines, les manuscrits, avec les manuscrits de Clairvaux, des bibliothèques de Clairvaux de cette période, comme la Grande Bible qu'on a sous les yeux, qui est magnifique. On dirait qu'elle a été réalisée hier, tellement le parchemin est d'une grande fraîcheur, l'écriture et l'enluminure également. Donc, une lettre monochrome, voilà, seule est acceptée la monochromie. Des lettres en camailleux, donc ici une lettre majuscule en rouge. Par ailleurs, dans d'autres feuillets de la Bible, ils sont bleus, ils sont verts, ils sont oranges, mais c'est tout. Donc une décoration extrêmement minimaliste que l'on va retrouver également dans le vitrail. Des vitraux en camailleux, gris vert, gris bleu. Également dans le chant, Saint Bernard a également réformé le chant cistercien pour le rendre beaucoup, beaucoup moins dynamique, avec des tessitures beaucoup plus neutres. Voilà. C'est vraiment l'anti-sujet, hein. C'est vraiment l'anti-abbé de Saint-Denis qui, lui, à l'époque, au contraire, dit voilà, il faut mettre de l'or partout, des pierres précieuses partout. En fait, Saint-Bernard, quand on le lit, est finalement d'accord avec Sugère sur certains points de vue. Parce que la théorie de Sugère, c'est, derrière tout ça, c'est que rien n'est trop beau pour glorifier Dieu, pour rendre le culte à Dieu. Lui, Saint-Bernard, il dit on sait très bien, tout ça, c'est valable pour les églises paroissiales, pour les cathédrales, là où il est nécessaire d'éduquer le peuple, mais pour les moines, eux qui ont eu
qui savent de quoi on parle, qui connaissent l'histoire sainte par cœur, qui la pratiquent, qui la lisent tous les jours. Il n'y a pas besoin de leur expliquer, donc de dépenser de l'argent. Alors il y a aussi, ce qui est intéressant chez Saint Bernard, une théorie sociale qu'il développe. Alors on ne sait pas si c'est un argument massu qu'il applique là pour faire taire pour faire clore le débat définitivement, mais pour Saint Bernard, cet argent dépensé pour décorer les églises, les abbayes clunisiennes, c'est de l'argent volé aux pauvres finalement. D'accord, ouais, c'est intéressant. Alors, autre pièce là qui est phénoménale, vous l'avez déjà décrite en antenne, c'est, vous pouvez la décrire parce que je vais vous laisser prendre la parole, parce qu'elle prend le centre de la pièce où on est, mais elle est assez phénoménale. Oui, c'est une vitrine en fait que l'on a amenée, qu'on a entièrement voilà, déplacée entièrement de l'église où elle se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire l'église de Ville sous la Ferté, qui est l'église paroissiale de Clairvaux. Et cette vitrine eh bien, renferme le linceul de Saint Bernard, c'est-à-dire le linceul dans lequel le corps de Saint Bernard a été placé après sa canonisation. Bernard meurt en 1153, il est canonisé 21 ans plus tard. Et en 1178, alors que le grand chœur à déambulatoire de Clairvaux vient d'être achevé, on va déplacer le corps du saint pour le placer derrière dans un hôtel, dans un tombeau, derrière le maître-autel. Et bien c'est ce linceul qui a été acheté par les moines de Clairvaux à l'époque, dans lequel on va placer le corps. Ce linceul, il a été retrouvé en 1792, lorsque les révolutionnaires et les habitants de Ville-sous-la-Ferté ont ouvert le tombeau. Il ne restait plus rien, hein, sans doute que l'ensemble des ossements avait été donné comme relique tout au long de l'histoire. Mais ce linceul, il est fascinant. C'est une pièce en coton extraordinaire, très très grande. On pense aujourd'hui que c'est une production du bassin méditerranéen des années 1170, effectivement, en tout cas elle a été authentifiée comme telle par les spécialistes du textile. C'est une pièce dont certaines hypothèses disent que les moines de Clairvaux l'auraient achetée lors des foires de champagne à Bar-sur-Aube, puisque l'on sait que les marchands méditerranéens bien, arrivaient en champagne à ce moment-là pour vendre leurs produits. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en effet, la vie de Saint-Bernard est quand même liée à la vie de ce comté de Champagne qui connaît au XIIe siècle un essor phénoménal, notamment avec les foires. Le comté de Champagne, à cette époque, depuis la fin du XIe siècle, dans la première moitié du XIIe siècle, est la principauté féodale la plus puissante de France. Elle est entre les mains d'une dynastie, la dynastie de Blois-Champagne, qui, de fait, enserre le domaine royal, qui est encore un petit domaine, hein, centré autour de Paris et d'Île-de-France, alors que de l'autre côté, les comtes de la maison de Champagne possèdent Blois, Chartres, Sancerre-Châteaudun, à l'ouest, et de l'autre côté, toute la zone allant de Provins, Meaux, en passant par Troyes, en passant par Vitry, donc un domaine considérable qui enserre le domaine royal, et le roi de France et le comte de Champagne sont quasiment en guerre permanente, et le comte de Champagne va pousser jusqu'à développer les foires de Champagne pour devenir aussi économiquement plus puissant que le roi. Et du temps de Saint-Bernard, Louis VII et Thibaut de Champagne sont en guerre vraiment permanente. Ça se termine d'ailleurs assez brutalement en 1142-1143 par l'incendie de Vitry, où le roi de France a mis le siège. Et Saint-Bernard va intervenir à ce moment-là justement pour essayer de faire la paix entre les deux hommes, ce qu'il va réussir. Et on suppose que c'est à cette occasion que Louis VII va décider de partir en croisade, donc à la demande de Saint-Bernard pour expier cet incendie de Vitry qui aurait fait 1500 morts selon les chroniqueurs. Ah justement, c'est une belle transition parce qu'on parle de croisade. Et évidemment, quand on pense à la Champagne au début du XIIe siècle, on pense aussi aux Templiers. Templiers auxquels vous avez consacré une très belle exposition déjà en 2012, auquel d'ailleurs Histoire et Images Médiévales avait parlé. Est-ce que vous pouvez un peu... justement, on va faire un petit lien avec une pièce qui est juste sous nos yeux, qui est semble-t-il une de vos pièces. Vous m'avez déjà parlé de cette pièce hors antenne que vous aimez beaucoup. Est-ce que vous pouvez la décrire? Oui, c'est ce qu'on appelle un chirographe, donc c'est ce que j'ai coutume d'appeler un plaisir d'archiviste. C'est, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un document
en français, ce qu'on appelle une charte partie, un document qui est rédigé en deux parties à l'occasion de procès, de litiges entre particuliers. C'est en fait la méthode que les chancelleries du nord de la France ont développée en attendant l'essor et l'arrivée du notariat public. Cette charte chirographe, en fait, elle a été conçue dans les années 1140, alors que les Templiers de la commanderie de Coulours, au nord de la Côte d'Or, et les moines cisterciens de Veluisan, dans l'Yonne, aujourd'hui, étaient en conflit pour une banale querelle de propriété. Les deux parties, eh bien, se sont mis d'accord sur le juge qui allait trancher la question, eh bien, quelqu'un dont les deux parties avaient une entière confiance, Bernard de Clairvaux, naturellement, qui avait participé et comment à la fondation de l'ordre du Temple en rédigeant en 1128-1129 l'éloge de la nouvelle chevalerie et en participant en janvier 1129 au concile de Troyes où est approuvée la règle de l'ordre du Temple. On voit encore l'influence de la Champagne, parce qu'évidemment Troyes c'est une des capitales des comtes de Champagne. Oui, tout à fait, et le comte de Champagne est d'ailleurs présent au concile de Troyes à ce moment-là. Mais pas le roi de France d'ailleurs. Et pas le roi de France, non. On voit, c'est étonnant. Alors, eh bien voilà, donc ce document a été rédigé en deux parties. On a écrit au milieu la devise chirographum, ça veut dire charte partie, hein, encore une fois. Et au moment de se séparer, on a découpé le parchemin en deux parties. On a scellé les deux parties, alors du sceau de Saint-Bernard et du sceau du maître du Temple de France. Et chaque partie belligérante est repartie avec sa pièce. Et l'idée était que si jamais un jour le conflit ressurgissait et qu'il fallait trancher à nouveau, et bien chaque partie revenait avec son morceau de parchemin et on les confrontait. Pour voir si effectivement c'était pas un faux. Et par contre, il y a une pièce qui vous est très à cœur parce que vous avez consacré quand même votre thèse à ce sujet-là, donc au sceau, notamment dans le comté de Champagne. Ce sont justement les sceaux. Et là, vous m'avez dit que c'était un des derniers exemplaires encore conservés du sceau de Saint-Bernard. Voilà, Saint-Bernard a eu deux sceaux. Un premier, c'est celui que nous avons sous les yeux. Il n'en reste plus que trois exemplaires conservés aujourd'hui. Un aux Archives nationales que nous présenterons au mois d'août, puisque un certain nombre de pièces vont être renouvelées le 17 août, puisque l'exposition dure 6 mois qu'il faut, pour des raisons de conservation préventive, renouveler un certain nombre d'œuvres. Le second, c'est celui que nous avons sous les yeux, qui conserve aux archives de Lyon. Un troisième se trouve à Gand, en Belgique. Saint-Bernard a eu deux sceaux. Donc celui-ci, qui est un type à la crosse, donc symbolique classique, hein, de l'abbé cistercien. Malheureusement pour Saint-Bernard, il est souvent absent, et en son absence, son secrétaire particulier, Nicolas de Montieramet, lui aussi un personnage haut en couleur, va subtiliser le sceau, enfin non pas le subtiliser, après tout c'est le secrétaire de l'abbé donc il l'utilise régulièrement, mais il va l'utiliser pour faire défaut au nom de Saint-Bernard. Saint-Bernard va s'en apercevoir, il va dans un premier temps dénoncer les lettres qui ont été passées en son nom sans dénoncer le coupable, mais il sait très bien à l'époque de qui il s'agit, il attend simplement d'en avoir confirmation. Simplement Nicolas de Montieramet va récidiver et là Saint-Bernard va le dénoncer publiquement. Et avec des mots très durs dignes de Saint-Bernard, un loup qui s'était caché parmi les agneaux, voilà, une lettre formidable. Et donc il va avoir un second sceau après 1144, au type abbatial assis, que Nicolas de Montieramet va subtiliser une seconde fois. C'est bon. Alors on va avancer, on va passer donc un peu la salle. Alors là, on la mettra en ligne, mais on voit une très belle reconstitution en 3D des différentes étapes de l'abbaye de Clairvaux. Et on va un peu parler de la suite, parce qu'évidemment, Clairvaux, ce n'est pas que Saint-Bernard. Mais on va quand même, vous dites, c'est un personnage haut en couleur. C'est intéressant parce qu'il a été, il est haut en couleur, certes, mais il a été, on est dans une nouvelle salle, là, on vient de rentrer, il a été canonisé. Mais alors, vous me disiez justement en antenne que sa canonisation n'a pas été de tout repos. Effectivement, on pourrait considérer qu'il a été canonisé extrêmement rapidement après sa mort. 21 ans, c'est somme toute assez rapide. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les moines de Clairvaux avaient commencé
à rédiger une biographie du personnage de son vivant. Ils avaient l'impression, le sentiment, à juste titre, sans doute, hein, de vivre avec un personnage exceptionnel. Bernard lui-même, connaissant les arcanes de la curie et la manière dont les procès en canonisation se déroulaient, il avait déjà une odeur de sainteté, il y avait de grandes guérisons qui étaient signalées, des miracles accomplis à Clairvaux. Tout le monde savait que Bernard allait un jour ou l'autre être canonisé, ou en tout cas que sa cause serait portée à Rome. Donc les moines de son vivant vont rédiger sa biographie. Et dès la mort de Bernard le 20 août 1153, eh bien, Geoffroy d'Auxerre, qui lui succède à l'abbaye, va envoyer donc cette vie de Saint Bernard à Rome, cette vita prima. Sans doute que les moines de Clairvaux en ont un peu fait trop, aussi Saint Bernard s'était fait beaucoup d'ennemis de son vivant, et donc... Il faut dire que là, quand on a parlé un petit peu avec l'histoire des défauts, c'est quelqu'un qui a un verbe un peu dur quand même. Hein, Alors c'est quelqu'un qui a un verbe très très saillant et qui aussi se mêle de tout. C'est pas tant le verbe de Saint Bernard qui devait choquer, c'est aussi le fait qu'il se mêlait réellement de tout, jusqu'à désigner au pape ses candidats pour les sièges épiscopaux ou abbatiaux, et il était dans toutes les affaires de l'Église. Oui, donc un personnage un peu agaçant. Donc forcément, il devait agacer. Et donc, lorsque cette vita prima arrive à Rome, eh bien, le pape décide de le faire attendre un petit peu et demande aux moines de Clairvaux de revoir leur copie. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont rédiger une deuxième vie de Saint Bernard, la vita secunda. Là encore, ça va pas passer. Il va falloir attendre finalement la vita tertia pour que Bernard, finalement, accède à la gloire des autels en 1174. Alors justement, sous les yeux, nous avons quatre documents que nous sommes très contents d'avoir réunis ici. Enfin, il y a quelqu'un qui est encore plus content que moi, c'est Laurent Vessière, qui est le second commissaire de l'exposition. Ce sont des documents qui traitent de la volonté de certains personnages, laïcs, ecclésiastiques, de se faire enterrer auprès de Saint Bernard. Eh bien, tout simplement pour pouvoir, au jour du jugement, bénéficier des grâces du saint pour accéder plus rapidement au paradis. En 1820, le directeur de la prison de Clairvaux, qui venait juste d'être créé quelques années auparavant, va découvrir une tombe dans le cimetière des moines, à l'emplacement du cimetière des moines, et donc ce directeur envoie une lettre au sous-préfet de Bar-sur-Aube dans laquelle il décrit sa découverte. Et dedans, il parle que le personnage tenait une crosse, avait un anneau à la main et une épingle liturgique sur le vêtement. Et en 2006, Laurent Vessière a fait le lien entre ce procès verbal de découverte et des objets aujourd'hui conservés au musée du Moyen-Âge au musée de Cluny, et a identifié le corps du squelette avec Guillaume de Joinville, archevêque de Reims, au début du XIIIe siècle. Donc ce sont ces objets, ces trois objets, la crosse, l'anneau épiscopal et l'épingle qui servait à tenir le pallium, c'est un signe de fonction des archevêques, qui sont présentés ici à côté de ce procès verbal de découverte. Alors évidemment, donc Clairvaux a une vie après Saint Bernard. Est-ce qu'on peut en parler, parce que l'abbaye de Clairvaux va rayonner. Là, on a une très belle carte de toute l'Europe et on voit que l'abbaye de Clairvaux va rayonner, va avoir des abbayes filles et qui ces abbayes filles elles-mêmes vont avoir des abbayes filles quelque part dans toute l'Europe. C'est assez impressionnant parce que quand on regarde, ça va de, enfin, on peut peut-être décrire. Hein, ça va de l'Écosse jusqu'en Grèce, en l'occurrence, jusqu'en Sicile, jusque dans la péninsule ibérique, évidemment plutôt au nord, parce qu'à l'époque, au sud, il y a encore l'Andalous, mais c'est assez fascinant, jusqu'en Scandinavie, en Suède actuelle. Je vois même une fondation dans les pays baltes, tout au nord, en face de la Finlande. C'est extrêmement impressionnant quand même. Oui, Clairvaux a rayonné extrêmement rapidement, du temps même de Saint Bernard à sa mort, en tout cas, il y a 66 abbayes filles directes. En 1250, au milieu du XIIIe siècle, il y aura 339 abbayes dans la filiation de Clairvaux, filles et petites filles, ou arrière-petites filles même parfois.
Donc une filiation extraordinaire, le principal rameau de l'ordre de Cîteaux, hein. Cîteaux, Morimont, Pontigny et Sémeron, elles aussi beaucoup, mais Clairvaux, de loin, grâce à la notoriété, à la sainteté de Saint-Bernard, va rayonner beaucoup plus. Alors un rayonnement qui se fait quand même principalement là où Saint-Bernard est passé, en France, en Italie, puisque Saint-Bernard est beaucoup en Italie en 1130-1138, au moment où il tente de résoudre le schisme d'Anaclète, et puis également dans les îles britanniques, alors là où Saint-Bernard n'est jamais allé, mais en tout cas des moines de Clairvaux, eux, sont allés fonder des abbayes dans cette zone, également effectivement en Scandinavie, et puis au Portugal, en Galice également. Donc une filiation extraordinaire, en fait, qui témoigne des vocations qui vont arriver à l'abbaye de Clairvaux très rapidement. On sait par exemple que dès 1116, Saint-Bernard revient de ses voyages avec des personnes qui l'ont entendu en chair, qui l'ont entendu en sermon, et qui sont sous le charme de ce jeune moine qui leur parle de la réforme de l'ordre de Saint-Benoît, de la règle de Saint-Benoît, et donc ils le suivent, ce qu'on appelait les grandes captures, les captures de Saint-Bernard. La première d'entre elles, effectivement, elle a lieu en 1116 à Châlons. Saint-Bernard y va pour prêcher devant le chapitre cathédral, et à l'issue de son prêche, il y a une trentaine de jeunes hommes qui vont le suivre à Clairvaux. Et toute la carrière de Bernard va être constituée de ces captures qui vont venir progressivement grossir les rangs de Clairvaux, à tel point que lorsque Saint-Bernard meurt, on va retrouver dans sa cellule 888 cédules d'engagement, c'est-à-dire la trace de 888 moines qui, entre 1115 et 1153, sont passés par Clairvaux. Soit ils sont restés, soit sont partis fonder de nouvelles filles à ce moment-là. Et donc dans cette salle, on présente des pièces venues de toute l'Europe pour illustrer cette filiation, comme cette très belle crosse en ivoire de l'abbaye de Sorø au Danemark, qui est une pièce qui est trésor national du Danemark, prêtée par le musée de Copenhague. Également des objets venus du Portugal, un anneau de prière tout à fait émouvant qui a été retrouvé très récemment en fouille et qui correspond en fait à un anneau que l'on a placé au moment de la consécration de l'église de Tarouca au Portugal, au moment de la pose de la première pierre. Donc voilà des objets qui illustrent ce rayonnement extraordinaire. Rayonnement aussi au sein des universités qui se fondent au même moment en Occident, dans l'Occident latin, parce que là vous faites une allusion intéressante à la fondation du Collège des Bernardins, qui est à Paris aujourd'hui, qu'on peut visiter, et qui est une fondation cistercienne aussi. Tout à fait, en fait le Collège des Bernardins, Collège Saint-Bernard, a été fondé en 1240 par l'abbé de Clairvaux, Étienne de Lexington. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis le XIIe siècle, des universités sont en train de se créer un peu partout en Europe, en même temps que l'explosion démographique amène de plus en plus de monde dans les villes. Et donc des universités se développent un peu partout, et notamment à Paris. Les ordres religieux ne sont pas à l'écart, ne restent pas à l'écart de ce grand mouvement. Et notamment les ordres mendiants au début du XIIIe siècle créent leurs propres universités. Et Clairvaux et l'ordre de Cîteaux ne veulent pas rester à la traîne. Et en 1245, on décide de fonder ce collège. En fait, c'est une abbaye en plein cœur de Paris, qui aura pour vocation la formation des futurs abbés de l'ordre. C'est-à-dire que les moines accomplissent une première période, un premier cycle d'études à Clairvaux, et puis les plus doués sont envoyés ensuite à Paris pour suivre une formation au Collège des Bernardins. Alors justement, de ce Collège des Bernardins, nous avons réuni trois documents. Une charte prêtée par les Archives nationales, qui est la charte d'Étienne de Lexington, dans laquelle on découvre que le frère du roi, Alphonse de Poitiers, le frère de Saint-Louis, a participé grandement à la fondation du collège en donnant des sommes d'argent considérables. C'est intéressant parce que par contre Saint-Louis, lui, favorise plus les mendiants en l'occurrence. Et, alors oui et non, Saint-Louis, il a beaucoup favorisé les mendiants, mais il a aussi beaucoup favorisé les cisterciens avec Maubuisson par exemple, ou notre abbaye dont le nom m'échappe, au nord de Paris, dans l'Oise. Donc des pièces importantes, Royaumont, voilà. D'autres pièces importantes comme cette Bible glosée, ces évangiles glosés, pardon, qui proviennent de la bibliothèque de Clairvaux et qui en fait étaient au départ à l'usage des moines du Collège des Bernardins. Ça c'est quand même une... Là, on finira là-dessus, parce qu'on pourrait passer des heures, mais la Bible glosée, c'est quelque chose sur lequel il faut s'attarder parce que
pour le décrire, en fait, alors il faut s'imaginer une Bible avec un texte au centre, et avec autour du texte, en fait, des commentaires, et autour des commentaires, des notes, en fait. Donc c'est assez fascinant. C'est vraiment le cœur de la parole divine est au centre, et puis dans la périphérie, vous avez en fait ces étonnantes glosses, donc ces commentaires et ces notes. C'est assez fascinant, et il faut voir que les notes sont écrites au bout d'un moment extrêmement petit. Hein. C'est bien plus petit qu'une thèse avec les notes de bas de page. Oui, un document tout à fait intéressant. Donc, on a repéré trois niveaux de glose, avec des écritures différentes jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Donc, effectivement, voilà les commentaires des maîtres du Collège des Bernardins qui viennent commenter les évangiles, la parole sacrée, et qui sont recopiés eh bien, au fur et à mesure des leçons, des cours à l'usage des étudiants. Pour revenir à Saint-Bernard, on se rappelle même, si j'ai bonne souvenance, Bernard était assez réputé pour lui-même, pour sa glose de la Bible, notamment le Cantique des Cantiques, je me rappelle, il en a beaucoup parlé. Ouais. Mais écoutez, Arnaud Bonin, on pourrait passer encore une fois une demi-heure de plus, une heure de plus dans cette exposition. Il y a encore une salle qui nous attend, mais bon, c'est là, un peu la suite. Mais moi, on vous invite, chers auditeurs et chères auditrices, à venir à Troyes, à cette magnifique exposition, vraiment extrêmement grande et d'une richesse phénoménale, très très bien présentée, de la muséographie vraiment impressionnante, avec beaucoup de cartes. J'ai vu même un moment où il y avait une espèce de petit tableau avec la vie quotidienne, enfin la vie des moines organisée chaque jour. Donc vous venez, et il ne me reste plus qu'à remercier chaleureusement Arnaud Bonin de nous avoir accueillis dans cette exposition. Merci beaucoup. Merci à vous.